Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue ce matin en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le lundi, je vous rappelle que nous sommes en tout cas le lundi 22 août 2022. Ce matin, en exclusivité, nous recevons Mouenouka Espoir et Aspirine, c'est un activiste des droits humains. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur le journaliste, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos voyants, bonjour à tous ceux-là partout où ils sont qui nous suivent et à tous ceux-là qui se battent bien sûr pour la République démocratique du Congo. D'accord. Ce matin, encore une fois de plus avec vous, nous allons développer plusieurs sujets d'actualité. Mais on commence d'abord par les nouvelles de Rutshuru, bien qu'on va se concentrer sur Rutshuru par rapport à la manifestation. Mais est-ce que vous avez les dernières informations sur les lignes de front? Parce qu'on sait, les week-ends, on a observé en tout cas une accalmie. Ce matin, quelles sont les nouvelles que vous avez, M. Mouenouka? Non, les nouvelles, c'est l'accalmie qui règne toujours à Rutshuru, dans les Bounagana et dans l'Entamougenga là-bas. Les inciviques, ces terroristes, n'ont pas encore attaqué nos positions. Mais aussi, on ne peut pas se contenter de cette accalmie tant que l'agresseur s'organise, monsieur le journaliste. C'est que certainement que nul n'est pour la guerre, mais comme nous voulons la paix, on doit imposer la paix. Et en imposant la paix, c'est corriger sérieusement ces inciviques, ces terroristes de l'M23. Mais maintenant là, vraiment, il y a l'accalmie. Nous aimerions qu'il se retire calmement, afin que l'accalmie puisse régner, monsieur le journaliste. D'accord. Le sujet principal, c'est cette manifestation de la société civile qui était annoncée pour aujourd'hui lundi. Mais elle a été en tout cas annulée après un déplacement du gouverneur militaire, le général Constant Ndima, qui s'est rendu personnellement à Rutshuru depuis le week-end, le samedi. Il s'est entretenu hier dimanche avec les représentants de la société civile à Rutshuru. C'est à l'issue de cette réunion qu'on a annoncé à la presse que la manifestation est annulée. C'est la société civile en tout cas qui l'a annoncé. Pourquoi comprendre l'annulation de cette manifestation? Et cette manifestation visait quoi, M. Espoir? Parce que vous étiez parmi les personnes qui suivaient de près toute cette mobilisation, l'appel de la société civile de Rutshuru. Nos collègues de Rutshuru devraient venir à Goma pour des choses, pour dire à M. le gouverneur qu'on ne peut pas accepter qu'une partie de la RDC soit entre les mains des inciviques, c'est que ces terroristes de l'E23. Il fallait dire à M. le gouverneur qu'il est grand temps, nos militaires doivent agir en dépit des moyens, en dépit de personnels qui ont déjà été envoyés à Rutshuru, en dépit des collaborations, en collaboration avec UPDF, mais une partie de la RDC reste dans les mains des terroristes M23. Il fallait que notre armée puisse réagir. Mais aussi, la manifestation devrait aussi comprendre la partie de dire à M. le gouverneur que la MONUSCO doit quitter le sol congolais. Et nos collègues, tous, nous devrions rester à Goma jusqu'à ce que l'armée va réagir et chasser l'M23, puis poursuivre avec notre manifestation anti-MONUSCO. Certainement, la manifestation n'a pas été annulée, comme les gens ont communiqué, mais la manifestation a été reportée à une date ultérieure. Comprenez que même à Rutshuru, il y a des institutions de l'État. C'est tout à fait légal et normal qu'une autorité puisse s'asseoir avec les manifestants, puisque la loi est claire que après avoir informé l'autorité compétente, ça revient à l'autorité de prendre des mesures sécuritaires pour les manifestants. Et dans la prise de mesures, la loi portant organisation de manifestations est claire qu'on doit discuter de l'itinéraire de que les manifestants vont emprunter. En discutant sur la sécurité des manifestants, il se pourrait, puisque moi je n'étais pas dans la réunion, nous attendons que les collègues puissent finir les rapports qu'ils doivent nous envoyer.
Ils ont discuté sur la sécurité. Vous voyez, la ville de Goma, là où ils devraient venir, c'est entouré par des inciviques. Et même les chemins qu'ils devraient emprunter, c'est entouré aussi par d'autres inciviques. Ce qui est à risque, attention, ces gens n'ont pas, des rebelles n'ont pas, sont des démons sans tête, ils n'ont pas de cœur. Attention, il y avait risque qu'ils puissent tirer peut-être sur nos compatriotes, comme ils sont en train de les faire dans les Rutshuru. Peut-être c'est parmi les raisons qui ont causé qu'à ce que les collègues puissent reporter la manifestation en attendant que nous ayons une solution. Et ils ont mis pression et le gouverneur a répondu à leur pression. Le fait d'abord d'obtenir le déplacement du gouverneur en urgence à Rutshuru, est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment nécessaire qu'il y ait ce déplacement? Le gouverneur n'a pas répondu à la pression, mais le gouverneur a fait son devoir civique. Toute autorité qui osera de passer à l'encontre du vœu de sa population, c'est qui sera considéré comme ennemi de la population. Le gouverneur avait ce plein devoir de rencontrer ses compatriotes et comprendre qu'est-ce qu'il réclame, monsieur le journaliste. Moi, je ne vois pas s'il y a eu pression, plutôt il y a eu devoir civique que les compatriotes ont fait et que les concitoyens gouverneurs devraient répondre immédiatement, monsieur le journaliste. Mais on a vu, quand on voit par exemple tous les jours passés en train de mobiliser la population par rapport à cette manifestation, et du coup là, on annonce l'annulation à quelques heures quand même. Comment comprendre cela, monsieur Mouinoka? Non, c'est tout à fait normal. Vous savez, chez nous, quand on organise des manifestations, il y a un chargé des opérations. Et le chargé des opérations doit à tout prix travailler pour sécuriser les manifestants, monsieur le journaliste. Et lorsque vous avez vu qu'il y a un présumé être danger, s'il y a un danger, un quelconque danger qui peut surgir pendant la manifestation, mais ça veut dire qu'il y a une erreur de planification. Et là, vous avez ce droit, complètement en commun accord avec d'autres manifestants, de proposer qu'il y ait report de la manifestation en attendant que vous ayez bien planifié, monsieur le journaliste. C'est que la population doit comprendre le pourquoi de ce report de la manifestation. Et à Rutshuru, il y a les institutions de l'État. On peut facilement faire des sit-ins continuels à Rutshuru en attendant que nous puissions les rencontrer aussi à Rutshuru. Puisque nous sommes en train de réfléchir sur les comment aller à Rutshuru nous-mêmes, voir si on peut mettre ces inciviques ensemble avec l'armée hors état de nuire, monsieur le journaliste. Et à Rutshuru aussi, il y a une base de la MONUSCO. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a eu des échauffourées hier. La population, ils ont barricadé des routes, monsieur le journaliste, pour manifester leur mécontentement, monsieur le journaliste. À Rutshuru, il y a la base de la MONUSCO. À Rutshuru, il y a les institutions de l'État. Puisque nous sommes dit partout où il y a la MONUSCO, nous devons y arriver pour leur dire qu'ils doivent partir comme ils sont partis de Butembo et comme ils vont partir dans tout autre contrée de la RDC, monsieur le journaliste. C'est que les gens doivent comprendre ce sont des stratégies qui sont en train d'être montées en attendant que nous puissions bien replanifier notre manifestation. Si c'est nous qui allons quitter Goma vers Rutshuru, si c'est eux qui vont venir toujours ici à Goma, mais en attendant, puisqu'il y a une cellule provinciale qui a été créée, où il y a tous les représentants de tous les mouvements citoyens, monsieur le journaliste. Alors sur Internet, les internautes s'interrogent et disent pourquoi les manifestants voulaient quitter Rutshuru pour Goma et non quitter par exemple Rutshuru pour Bunagana, parce que pour aller exprimer, c'est là, c'est parce que c'est Bunagana qui est sous contrôle des M23. Bunagana est sous une occupation terroriste. À Goma, c'est là où il y a les institutions provinciales. C'est que Goma, c'est le chef-lieu de la province de Nord-Kivu. Et nous ne pouvons pas nous plaindre devant un occupant, de lui dire de quitter. Or, nous avons des personnes censées de chasser ces occupants. Et lorsque, comme je vous avais dit, la manifestation avait plusieurs formes, monsieur le journaliste. Il y a la MONUSCO. Quand il s'agit de chasser la MONUSCO, nous n'allons pas partir à Bunagana, où il y a les terroristes. C'est là où il y a la MONUSCO et nos autorités. Et à
après avoir vu nos autorités, normalement, on devrait se rendre maintenant à Bunagana, puisque nous sommes les souverains primaires. Et s'ils se disent qu'ils sont congolais, ils ne pouvaient pas tirer sur les civils. C'est qu'après les autorités, il fallait maintenant se rendre à Bunagana. Mais avant, il fallait se rendre au bureau de nos autorités, monsieur le journaliste. Alors, la question, on sait que Rutshuru Goma, c'est plus d'ailleurs de 75 km. Est-ce que ça allait être possible que les manifestants quittent vraiment Rutshuru jusqu'à Goma, vivent également les zones dans lesquelles ils allaient passer? Ce sont des zones rouges. On voit Rutshuru, la route Goma-Rutshuru, c'est compliqué. C'est tout à fait normal. Lorsque vous avez la décision en vous, cette énergie que vous avez, cela pouvait nous permettre à nos compatriotes d'arriver à Goma. C'est tout à fait normal. Mais le sérieux problème, et c'est ce qui figure parmi les raisons qui ont poussé au report de cette manifestation, c'est la sécurité des manifestants, la sécurité des militants qui devraient quitter Bunagana, Rutshuru jusqu'ici à pied, vu que la route par entière est occupée par les coupeurs des routes. Mais si le plan moyen, énergie, on en avait, monsieur le journaliste. Mais comme la route est dangereuse, on peut dire aujourd'hui que le gouverneur vient de sauver les manifestants? Le gouverneur n'a pas sauvé, puisque c'est pas... Le fait qu'il s'est déplacé, il a fait sa diplomatie, lui, en tant que responsable numéro un de la province, il a mesuré aussi les dangers, parce qu'il a vu que ça n'allait pas être possible, surtout avec les dangers. Vous savez, c'est la même route, c'est la récemment l'ambassadeur italien a été tué, c'est là où les manifestants allaient passer. Non, le gouverneur, il n'est pas question de diplomatie. Le gouverneur, il a fait son devoir de parent. En sauvant les manifestants, des milliers d'ailleurs. Non, il n'a pas sauvé, il a proposé et on a compris, puisque nous-mêmes, on évaluait ces dangers et on avait des stratégies qu'il nous fallait mettre en marche. Mais ce qu'il faut préciser à l'opinion, monsieur le journaliste, que si monsieur le gouverneur et le gouvernement central ne puissent pas réagir dans l'urgence, comprenez, on va se bafouer de ces dangers et on va venir, puisque ça ne sert à rien de vivre tant qu'une partie est occupée, tant que nous sommes en train d'être tués chez nous, monsieur le journaliste. C'est que le gouverneur, vu qu'on a compris ce qu'il a dit, en bon parent, il doit se mettre en marche pour voir comment est-ce qu'on doit libérer cette partie. En suivant des moyens qui ont été envoyés par Kinshasa, en suivant les militaires qu'on a enlevés d'ici et là pour les amener à Rutshuru, mais qui restent en passivité, si c'est en préparation, c'est quoi? Non, nous voulons voir notre armée réagir et c'était le pourquoi qui pouvait pousser à nos compatriotes de quitter Rutshuru jusqu'à Goma. C'est que ce moratoire qu'on a donné, que nous ne voulons pas communiquer, nous laissons ce temps que le gouverneur puisse se préparer, que l'armée puisse se préparer et produire des faits, messieurs les journalistes. Alors, ce matin à Goma, j'ai tenté de circuler, je vois en tout cas un dispositif sécuritaire renforcé dans toutes les grandes artères de Goma. Comment comprendre cela? Oui, il y a certains de nos collègues de la Véranda et d'autres qui se disaient qu'il faut faire partir cette MONUSCO des gros de force aujourd'hui le lundi. Aujourd'hui lundi 22 août. Exactement, mais ouais. C'est ce qui est clair pour... parce que nous sommes avoués de dire la vérité, rien que la vérité, à la population. Ouais. Il n'y avait pas, nous n'avions pas encore fini la préparation. Okay. Et l'information aurait fuité, c'est pourquoi vous avez vu que les dispositifs sécuritaires ont été renforcés. Okay. Dans l'entretemps, nous autres, comme on l'avait communiqué à la presse la fois dernière, nous ne voulons plus voir les engins de la MONUSCO circuler à Goma. Okay. Et nous ne voulons pas là où ces contingents qui vont quitter Bouté, nous ne voulons pas les voir à Goma. Okay. Nous voulons les voir rentrer chez eux et nous voulons que leur pays les récupère avant que le pire n'arrive, monsieur le journaliste. Et comme vous parlez que vous ne voulez pas, en tout cas, vous ne voulez plus voir les engins de la MONUSCO circuler, il faut rappeler que d'ailleurs, les samedis, les habitants, en tout cas, il faut préciser que les habitants de Goma ne décolèrent pas contre la MONUSCO. On a vu des jeunes et des taxis motos, donc les conducteurs des motos, les motards, qui se sont pris aux engins de la MONUSCO à Goma, qui tentaient de circuler. Les samedis, c'était au centre-ville, en tout cas, des véhicules de l'ONU étaient pris pour cibler
c'était une chasse à l'homme. Mais comment comprendre ça? Non, ils ne sont pas pris comme cible, monsieur le journaliste, ça il faut préciser. Ils ne sont pas nos cibles, ils sont des personnes qui étaient venues travailler chez nous, mais qui ont échoué. Ce qui ne sont pas des cibles, c'est tout à fait légitime de les repousser, monsieur le journaliste. Nous défendons notre patrie. Ce ne sont pas des cibles. Nous défendons notre parti, notre patrie. Nous les demandons de rentrer chez eux, point barre. On leur avait dit, nous, pour des raisons préventives, nous ne voulons plus vous voir, même dans des alimentations, même dans des supermarchés, même dans nos marchés pour acheter même les fruits. Restez dans vos enclos, que les hélicos viennent vous récupérer. Mais lorsqu'ils ne veulent pas comprendre, que voulez-vous que la population fasse? Nous sommes les souverains primaires et nous devons à tout prix faire, et nous devons exercer notre souveraineté. Sur les sols nationaux. Vous savez qu'il y a un procès, c'est qui est en cours. On s'en fout des procès, ils ont tué. Nous sommes au-delà de 12 millions de morts, monsieur le journaliste. Et nous sommes massacrés, tués vis-à-vis de cette force inutile onisienne d'occupation occidentale, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, l'afrocentrisme doit aller jusqu'au-delà. Nous voulons voir ce procès, bien sûr, pour qu'il y ait justice. Je parle d'un processus qui est en cours pour qu'il y ait retrait de cette mission au Congo. On s'en fout de ce processus, puisque lorsqu'ils ont cassé Kassindi en tirant sur nos compatriotes, ils ne voulaient pas. C'est là, ils ont prouvé à la face du monde que même si vous organisez ce processus, même si vous allez signer ces carnets de retrait, nous n'allons pas quitter, puisque ils ont violé la souveraineté nationale. Et puis vous voulez que nous puissions comprendre, suivre, il y a processus. Non, c'est qu'il faut dire aux gens, messieurs les journalistes, nous n'allons pas attendre des élites congolais pour ce combat. Nous allons nous battre comme des souverains primaires, comme l'a dit la Constitution, et les autorités sont obligées de suivre les vœux de la population. D'accord, peut-être pour finir, finalement la MONUSCO décide de quitter Butembo. On a lu le communiqué qui a été rendu public par les maires de cette ville, bien que bon, l'ONU parle d'une relocalisation, mais en tout cas, on voit que la MONUSCO quitte Butembo finalement après la pression de la population. Nous l'avions dit, celui qui sera retrouvé à Butembo devrait être considéré comme un récalcitrant. Et vous savez le sort qui est réservé aux récalcitrants. Certainement que nous sommes non violents, mais lorsque une goutte de bord de la vase, c'est qu'il faut comprendre ce que ça allait faire. Ils ne peuvent pas accepter, puisqu'ils sont en train de faire les bras de fer contre nos autorités. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont chassés par la population. Ils seront même relocalisés dans la ville de Goma. C'est qu'on aura relocalisation à relocalisation jusqu'à ce que le tout dernier sera relocalisé. C'est que, vers où? Non, vers son pays d'origine. Mais c'est qui quitte Butembo, ils partent dans une autre zone de la RDC. Ils disent qu'ils vont se rendre à Beni. Même à Beni, ils seront pour chasser. Ils vont se rendre à Rutshuru. Et à Rutshuru, ils seront pour chasser. À Goma, on va les traquer. Mais ils seront relocalisés en relocalisation. Nous, on est contents quand ils vont dire qu'ils sont relocalisés. Bientôt, là, ce sont des avions qui vont les relocaliser. C'est tout à fait normal. Il faut comprendre leur style et leur terme. Mais nous aimons les contenus, point barre. Mais c'est quelque chose qui est un peu bizarre. En lisant les communiqués, on voit que tous les programmes de déplacement, retrait ou relocalisation, ça se passe, ça sera toujours fait. Disons la nuit à partir, je ne sais pas, des 22h. Mais comment comprendre cela que ça se passe toujours la nuit? C'est ce que nous craignons. Qu'est-ce qu'ils vont déplacer, monsieur le journaliste? Qu'est-ce qu'ils vont déplacer pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils vont... Mais c'est le gouvernement qui a signé ces communiqués pour annoncer ça. Oui, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont leur trick et qu'ils vont déplacer. Ils ne veulent pas que les gens puissent les voir. Ils ont peur de la population. Bon, certainement qu'ils peuvent avoir peur même. Lorsque l'autorité... Nous sommes une population éduquée. Hostile aujourd'hui. Non, nous sommes hostiles puisqu'ils ont échoué. Mais lorsque l'autorité a dit, laissez-les, ils vont passer facilement, on peut les laisser passer. Mais pourquoi ils veulent toujours passer la nuit? Qu'est-ce qu'ils cachent? Selon vous, c'est quoi? Voilà ce qui peut encore créer qu'il y ait des tensions, monsieur le journaliste. Cela peut pousser qu'à ce que les gens puissent s'opposer, qu'ils ne passent pas la nuit. Ils doivent passer la journée et les voir comment est-ce qu'ils se retirent. Puisqu'ils étaient venus la journée. Ils ne sont pas venus la nuit. Ils doivent passer la journée et que nous puissions voir. Voilà, ils passent. Ils étaient avec 4 véhicules. Ils étaient
avec tel. Ça veut dire que dans leur base, il y a des choses qu'ils ne veulent pas voir, que les gens puissent savoir ce qu'ils déplacent, monsieur. Non, ils ont des armes, peut-être qu'ils ne veulent pas que la population puisse voir, vous savez, c'est très dangereux. Ces armes qu'ils ont gardées pendant 22 ans sans les utiliser, normalement, ça doit créer la colère, monsieur le journaliste. Mais nous sommes en train de penser qu'ils doivent passer la journée, pas la nuit. Mais comme la nuit, c'est comme pourquoi encore? Est-ce que à quoi ça dérange s'ils partent la nuit? Non, ça, l'essentiel, c'est parti. Non, ça dérange. Et s'ils ont des machettes? Et s'ils ont les ADF dans leur camp? Ce sont des militaires, c'est tout à fait normal. Et s'ils ont des tricks? Et s'ils ont des personnes dans leur camp qui ne veulent pas que nous puissions voir? Pourquoi les personnes? Non, ils doivent en avoir. Comprenez ce qu'ils avaient fait à Kassindi. Quel genre de personnes qui étaient dans leur véhicule? Et de la manière dont ils portaient. Est-ce qu'un agent de la MONUSCO doit porter comme ça? Comment? En culotte avec une arme. Mais ils venaient de leur conscience. Même notre militaire qui se trouve dans les fins fonds de Mwalika ne peut pas s'habiller en babouche et avec arme à la main. C'est impossible. Ils venaient de non, on ne peut pas revenir en congé avec une culotte avec une arme. Char de combat. Avec des chars de combat en tenue civile. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est un manquement grave. Et nous n'avons plus confiance que ce que nous voyons sont de la MONUSCO. Mm-hmm. Nous n'avons plus confiance. Nous voyons aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'il y a des terroristes qui portent des habits de la MONUSCO, des effigies de la MONUSCO. Et s'ils n'étaient pas des terroristes, ils ne pouvaient pas tirer. Mais ils sont des Nations Unies. Il fallait se mettre tout simplement à côté et ils seraient identifiés. Okay. Mais lorsque vous tirez sur les civils, c'est pourquoi vous voulez toujours passer la nuit. Puisque ce n'est pas cela qu'on pensait. Ils partent la nuit, c'est pour des raisons sécuritaires. Non, c'est ça, pas des, non il n'y a pas de... Bon, des raisons sécuritaires pour sécuriser... Je vous rappelle qu'il y a eu 4 morts, 4 casques bleus qui ont été tués à Boutembo récemment. Alors, pour craindre, pour aussi des raisons sécuritaires, il fallait qu'ils partent la nuit. Non, les autorités ont mesuré ces dangers. Et d'ailleurs, la nuit, c'est là où il y a un grand danger, monsieur le journaliste. La nuit, il y a un grand danger. Donc, vous voulez conseiller... Nous appelons l'autorité de revoir sa stratégie, notamment qu'on les laisse passer la journée. Nous allons sensibiliser la population et on va les laisser passer la journée. Nous voulons voir tout simplement qu'est-ce qu'ils ont, d'accord, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Espoir. On se quitte par un message à l'armée congolaise. Mon message, d'abord, c'est nos condoléances à l'armée congolaise. On a perdu un vaillant dont sa mort doit être encore élucidée. Puisque si vous regardez très bien, c'est 3 vaillants qui viennent de mourir dans des circonstances inconnues, dont le père son âme, le fait Bahouma, les vaillants colonel Mamadou Ndala et les vaillants général Ghislain. C'est que nos autorités doivent tirer attention. Je rappelle que, excusez, le général Ghislain, c'est lui qui est décédé récemment. Selon l'armée congolaise, il aurait décédé suite à un arrêt cardiaque, je crois que c'est ça. Il était le commandant de la 34e région militaire, donc je crois que son corps est toujours à Goma. Il sera, je crois, acheminé à Kinshasa ou à Lubumbashi ou les obsèques, où il sera donc inhumé. Donc voilà. On s'oppose à ce communiqué de l'armée, puisque c'est comme ça qu'ils nous avaient menti que même Amadou a été... Mais s'il vous plaît, c'est ça, c'est l'armée a communiqué, c'est la seule voie officielle. Non, oui, l'armée a communiqué, mais c'est notre général. Il n'est pas général de l'armée seule. C'est notre général. Et là, nous devons avoir la réalité sur sa mort. C'est que, oui, puisque sa mort relève beaucoup de choses, monsieur le journaliste. Beaucoup de choses, vous voulez dire quoi? On nous dit qu'elle est... Mais s'il vous plaît, je crois que si vous voulez qu'on en parle, on reviendra sur ça prochainement. Un message à l'armée, au FRDC, qui sont en tout cas dans les retours, surtout à Beni, Boutembo, aussi à Ituri. On sait que nous avons des militaires qui sont sur des lignes de front et qui se battent jour et nuit pour défendre ce pays. Oui, je présente d'abord mes condoléances. Mais oui, j'ai dit aux militaires qui sont front, n'ayez pas peur. Ils sont en train de tuer les nationalistes, mais ne vont pas nous terminer tous. Ceux-là qui tiennent encore debout, qui respirent encore, continuent à maintenir la paix et la sécurité, la protection de l'intégrité du territoire national. C'est que courage, nous sommes derrière vous
et nous n'allons pas vous lâcher. Merci beaucoup. Votre numéro de téléphone? Nous sommes sur le +243 9 92 66 42 08. Merci beaucoup, Espoir. Merci d'avoir été là ce matin. Merci aussi, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé ce Congo-là. Ils vont fixer rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Nous vont inviter. Merci pour des nouveaux sujets également. Merci. Passez une excellente journée. Bye bye.